Bonjour à tous, et c'est du fils. Et nous terminons cette session de Dark Souls 3 dans les mines de la Moria. En fait non, je sais pas trop où on est, mais c'est pas les mines de la Moria, ça c'est sûr. Je crois qu'on est toujours dans le lac incandescent, mais ouah, ça se trouve, c'est un niveau encore plus avancé. Là du coup ça me fait un peu chier parce que c'est pas trop ce qui était prévu. Alors toi, si je peux tuer ton copain sorcier avant toi, ça pourrait peut-être le faire. Je j'ai déjà fouillé. Alors du coup là on repasse par ici pour la simple et bonne raison, c'est que... Voilà. C'était pas le sorcier ici. Le sorcier... Ah, le sorcier il est là-bas. Ouais, parce que ouais, on repasse par ici parce qu'en fait on a vu un mec qui était totalement badass et du coup je suppose qu'on doit tuer. Il a pas entendu et lui il voit pas encore. Là, il va être de dos, il va être de dos, allez. Il y a d'autres? J'ai entendu un ronfler. Putain! Mais... Ah! J'ai totalement foiré quoi. Pourquoi j'ai entendu un ronfler? Je vous avoue, c'est pas très rassurant. Où est-ce que j'arrive là? Putain, j'ai un... Putain, toi tu m'as vu toi. Bon, t'es un petit peu con, mais tu m'as vu quand même. Allez hop, allez viens gamin. Un... De... Tu as cramé. Oh! Putain, mais c'est quoi votre maladie là? Vous dropez tous des fragments de titanite. Ouais, toi, j'ai fait oublier en fait. Putain, j'ai complètement foiré. Grand fragment! Yeah! Putain, il m'a vu. Mais oui. Mais oui, t'es tout beau. Encore? Et est-ce que vous êtes les petits du démon de pierre qu'on a tabassé dans... je dirais une dizaine d'épisodes auparavant? Parce que vous avez fait de la même matière en fait. Parce que, et du coup, je pense j'espère même pas qu'il me répond parce qu'il est censé être mort. Ok. Alors là, il est censé avoir... Un mec plutôt badass. Oh oui, oh tu m'as l'air bien badass toi. Putain, il m'a vu. Observons-le. Il est pas très gentil, d'accord. Qu'est-ce que dit le podcadex là-dessus? Putain, oh, leur boulette. Putain, ok, quand on le frappe une fois, il s'en bat les couilles. En deux. C'est la boulette! C'est la boulette. On gère! Ah, il aime pas en fait. Un. Non. Deux. Non plus. Perdu! Bon, finalement, il était pas si badass que ça. Épée du chevalier noir. Je suis le chevalier noir. Attends, il y a quelque chose de plus badass, je vais pas vous le cacher. Du coup, bah on a tout fouillé dans ce coin-là en fait finalement. Bah ce fut très rapide de ce côté-là. Par contre du coup... Non, il y a pas d'autre chemin... Ah si, il y a un autre chemin par ici. Bon, ouais, c'est parti hein. Putain, j'espère que le monstre m'a pas vu. Putain, mais il y a trop de choses... Ah! Putain, j'ai oublié, il y a des rats. J'avais totalement oublié les rats. Et du coup, il y a pas par rat qu'on doit tabasser. Putain, faut que je me méfie. La dernière fois qu'on a vu des rats, il y avait aussi des blobs au-dessus. Vous êtes plus gros qu'avant. Vous mourrez toujours d'un seul coup, mais j'ai l'impression que vous êtes plus gros. Pas de blob à l'horizon.
Ah! Ah! D'accord, ça peut cramer, effectivement, ça peut faire bobo dans ton corps. Tu peux avoir très chaud dans le corps. Et là, il y a Papara. Ouais, il y a Papara, j'en étais sûr. Je viens en paix. Je pense que tu t'en fous, mais je viens en paix. Il s'en fout! Sale bête! Couché! Et tu viens me donner quoi cette fois-ci? Ah, cette fois-ci, il me donne rien. Est-ce qu'il y a quelque chose. Oh! Il y a toute la portée! Esquive. Putain! Ils meurent pas tous d'un coup d'épée, les salauds! Ils m'ont menti! Oh, j'ai la peste! Oh, je me meurs! Ah merde, j'ai pas le truc pour coucher par terre, tant pis. Où est-ce que ça va m'amener ces conneries, quoi? Ah, ces trucs-là, je les ai déjà tabassés dans le marais, je crois. Je crois que ces conneries crachent du poison, mais je suis pas sûr. Regardez, il a les yeux globuleux. Et blablabla. Tellement de chemin. Oh putain! Oh non! C'est. Ça se trouve, c'est un gaz de mort! De tes morts! Oh putain, il va péter! Ah ouais? Allez, viens, viens, viens! Viens! Est-ce que t'aimes le feu? Bon, apparemment, ça le dérange pas trop. Moi aussi, je peux sauter et voler. Moi aussi, je peux te tuer. Par contre, ouais, vu qu'il y a une tête de mort et tout, enfin, en tout cas, un truc qui a l'air pas très halal, bah, du coup, j'ai évité que ça, la barre se charge. Un, deux, trois. Ah, putain! J'en étais sûr qu'il y en a derrière. Mais ils sont plusieurs en plus! Brûle! Voilà, un en moins. Ah, bah il a pété! Là, viens! T'as peur? Ouais, il va sauter, il va faire ça. Oh putain! Oh non, fais pas le con, 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 c'est bon, ça s'est dissipé. On renseigne tout doucement. Oh! Oh fuck! Oh non! Oh non! Ça se trouve, je dois remonter en haut pour. Enfin, si je veux ramasser cet objet, je dois remonter en haut et tout. Bon, théoriquement, c'est pas un fragment d'estus, c'est pas de la vie en plus. Et c'est pas la poussière d'os parce qu'on a déjà ramassé dans ce truc là. Donc on peut enlever ça déjà. Après, ça m'étonnerait beaucoup qu'il laisse un objet de malade. Enfin, du moins, j'espère. Ok, là, y'a rien. Où est-ce que ça va nous. Mais sérieusement, où est-ce que ça nous mène, ça? Oh putain. Ah! Mais Jean! Ok, d'accord, apparemment, si on est bien équipé niveau résistance feu, il y a moyen de se faire un pactole. Sauf que. Oh putain. Je viens en. Je viens en paix. Il vient pas en paix, lui! Par contre, je peux pas trop. J'ai compris! J'ai compris, j'ai compris! Pas peine de t'énerver, pas peine de t'énerver! T'es quelqu'un de très vénère. On observe. Ah, il fait des coups d'épée. Un. Un. Ok. J'ai pas tué tes potes, Oula. Oh putain, il a quand même réussi à me toucher! J'ai pas tué certains de tes potes en fait dans le truc d'Ithiril là? Non! 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 Putain, mais! Tout! Ça suffit, tu te calmes, tu te calmes. Tu te calmes, hein, hein? Voilà, on t'aura l'usure.
Oh putain! Bouclier du chevalier noir, espadon du chevalier noir. Du chevalier Renoir. Ah putain! Ouais, on sait pas, le même mec, les mêmes mecs qu'on a tués à Etiri dans la maison là, vous savez, là où il y avait la cuisine et tout, dans. Bah, du coup, il y a 3 épisodes auparavant, dans l'épisode 25, me semble-t-il. Après les égouts. C'était pas eux qu'on avait buté aussi enfin, ils étaient pas partis de la même famille, hein. Ils étaient pas issus de la même portée. Allez, âme de chevalier découragé, d'accord. Vous ressentez la bonne ambiance Ah mais dis pas que ça me fait revenir dans les catacombes de Cartus. Parce que la déco comme ça Et puis vu qu'on est situé juste en dessous Enfin bref. Il s'en passe des choses. Ah là 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 là, où est-ce que ça va tout mener? Je ne sais pas et j'en ai peur parce que... Parce que cette échelle est vachement haute. Et ça monte encore. Y'a pas une récompense? Genre bravo, vous avez monté tout ça comme marche. Non, on s'en bat les couilles. Où est-ce que ça nous mène? Ouais, je crois que ça nous mène au... ça nous remène aux catacombes, de Cartus. Ou pas. Oh putain, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est cette fois-ci? Ah par contre, pas du tout où on est actuellement là. Ah si, je vois, je crois savoir. Par contre, je suis censé faire quoi d'ici en fait? Ah, pareil. Ça passe, ça passe, ça passe. Oh, c'est du retour, ok. Ça indique bien en mode... voilà, t'as atteint le bout, maintenant tu te démerdes pour rentrer chez toi. Et ça se trouve, je pourrais désactiver la tourelle. Coucou. Volez, volez. Putain mais... Voilà. Putain mais je me suis fait toucher aussi. Et malheureusement tu es encore en vie. Non. On va dire que non. Il reste toi. Coucou. Il m'a pas vu. Il m'a vu. Il m'a vu. Ok, tout simplement teubé. Wally. Tu es mort de décès. Et tu ne te le rêveras pas. Ok. En fait, du coup, il n'y a pas forcément quelque chose au niveau des crabes. C'est plutôt au-dessus des crabes. Donc du coup, il fallait se taper tout le détour. Ok, là, c'est le... Putain, il y a encore des méchants. Mais en fait, non, c'est ceux que j'ai tués. Je suis un ninja. Ninja! Ninja! Ah putain! Il est pas mort de décès? Ah, mon ami gratte en plus! Ah! Ah, c'est bon, j'ai récupéré. C'est bon, vous êtes calmé? T'es qui toi? Ah, t'as un truc stylé qui balance des trucs ninja? Putain, ils sont deux. Ok, faut en attirer un seul. Comme disait ma grand-mère, dès que tu vois un ennemi qui balance des trucs qui te font saigner, tu dois les affronter à un par un, sinon tu vas en chier. Oui, ma grand-mère faisait des rimes. Et ma grand-mère était experte en Dark Souls. Par contre, si vous faites chier comme ça tous les deux, ça va pas être très halal tout ça. Hein. Mmh. Hey, hey, copain, tu me vois? Hey, copain. Il me voit ou pas? Il m'a vu, je crois. Oui, il m'a vu. Un, deux, trois. Put! Il a esquivé un coup! C'est de la triche, ça! Putain, mais j'aurais aimé à toucher. Ça suffit, tu triches! Putain, mais j'ai... Putain, arrête! Laisse-moi me défendre! Ah
J'ai eu. Non, il n'y a pas eu. Saloperie, va. Pilule médicinale jaune. Bon, à l'autre, il n'y a que ce moyen de l'avoir de manière légale. C'est d'attaquer dans le dos. Bon, il m'a pas vu pour l'instant. Bah, ah putain, mais il se barre super tôt. Reviens ici. Tu l'aimes, mon épée? Putain, mais... Non, putain! J'ai pas touché! Eh ben, mon salaud! Oh oh, il y a des géants. J'ai le droit de faire une petite prière. Arrêtez de me tirer dessus, s'il vous plaît. Y'a rien d'autre. Si j'ai tué les monstres qui étaient autour, est-ce que ça équivaut à un truc genre. C'est bon, on te tira pas dessus, mec, t'es cool finalement. Ils sont morts, ils font juste de dos. Bon, on va tester avec celui-là. Je sais pas pourquoi je sens que j'ai regretté mon choix. Ok. Excusez-moi, y a pas un moyen d'arrêter ça? On va tenter, hein. Ah si, y a un truc ici. J'espère que ça va réveiller personne. Y a quoi comme action? Pousser le levier. Non, non, j'ai pas envie de le réactiver ce truc-là. Bon, c'est cool ça. Et personne n'est réveillé. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Geronimo? Ok. Géro. Ni. Mo? Attends, du coup, on va peut-être rester ici pour essayer de voir s'il y a d'autres trucs sympathiques. Est-ce qu'on va essayer de se faire un crabe? Oh putain! Oh! Voilà. En garde! Aïe! Putain! Crash. Pouf. Ouh la vache. Aïe. Ouh, aïe, aïe, aïe. Non. Et ouh. N'ai une soupe de crabe en moins. Enfin en plus. Enfin bref, il est mort. Vraiment titanite, ok, c'est pas trop ça que j'espérais. Ah putain, y'a peut-être un chemin par ici. Oh putain. Oui, mais y'a aussi des crabes. Putain, mais ils sont super nombreux en fait. Mais ouais. Je pense que je vais revenir ici en off pour les tabasser. Et s'il y a quelque chose derrière, bah du coup, gardez ça pour la prochaine vidéo. Putain. Bah, je viens en paix. Ameno, Ameno, il y a un objet par là. Les crabes m'ont pas vu. Nous continuons le chemin. Lui il me regarde en mode c'est un crabe ou pas ça? Pendant que les autres ils sont en train de danser. Par contre toi tu te rapproches un peu trop près.
Ouais, dans le doute, je vais faire ça en off, comme j'ai dit. Par contre, il y a un truc que j'aimerais bien voir, c'est le vert. Est-ce qu'on peut le buter, ce con? Genre, parce que, par exemple, quand il fait les attaques électriques, en mode j'ai... Oui, j'ai plus de piles. En mode, je fais des attaques électriques et je suis un vert méchant, un gros gros. Est-ce qu'il y a moyen de le taper par derrière? Ça s'efface pas. Hey, regardez, et la tourelle me tire même plus dessus. Tout était prévu. Alors toi, évite de trop bouger parce que du coup... Attendez, je vais régène et on va essayer de le tabasser. Et si on voit que ça fait rien... Coucou. Et ben, ça fait rien, voilà. C'est une parole très philosophique de ma part, je sais. Mais on pourra pas aller plus loin. Attaque. Putain, mais ouais, c'est... Dès le début, on a passé à peine 10 minutes, voire peut-être 15 minutes grand maximum dans ce truc-là, dans cette... excusez-moi, le petit rototo des familles, dans cette zone-là. Et on a déjà tué le... Enfin, on a tué le dernier boss du truc. Et là, direct, juste après... Attends. Ben, il reste de la zone à explorer, quoi. Ah, et bon, il l'a tué. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va s'enterrer. Ah gros gros, je suis méchant! Bon, est-ce que tu t'es régène toute ta vie? Oula! Oh ok, y'a moi. C'était juste. Coucou. On l'aura les yeux, on l'aura les yeux. Ouais, c'est moi qui vous le dis, c'est moi qui vous le dis. Parce que là, du coup, il reste à peine 8 minutes. Donc je sais pas si on aura le temps de faire beaucoup de choses en fait. Voilà, je suis méchant, je suis en vert. Et je m'appelle Pascal. Oulalalala, oulalalala. On l'a à l'usure, je vous dis. Regardez, il a déjà perdu la moitié de sa vie, je dirais. On s'en va. Parce qu'il fait ah bleu. Oui, je ferais très bien un imitateur de verre. Pour oui. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est la première fois qu'il fait ça. Épée. Oudout. Je vais partir là d'autres cieux. Ah non. Coucou. C'est moi. Un. 2, 3, 4, aïe 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 aïe. Ok, il se vénère. Ça laisse le temps de régénérer un peu. T'as combien de PV toi? Il veut pas me le dire hein. T'es plutôt égoïste comme mec Pascal hein. Pascal le grand vert. La nouvelle émission choc de Dark Souls 3. Y'a plus de piles. Regardez, je fonds. Pieux de foudre. Fragment d'os. Il y avait un deuxième fragment d'os. Yes. C'est bon ça. Bon du coup hein, voilà, on a terminé une zone. Enfin je pense qu'on a fait le tour parce qu'on a désactivé la tourelle. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses derrière les crabes au final. Donc bah voilà. Je pense qu'on a en plus on a tué le boss. Donc on peut dire que cette zone est terminée. Donc on va revenir à la maison. En espérant que ça a changé quelque chose. Mais par contre, ouais, c'est bien une zone optionnelle parce que au niveau de l'histoire, je vois pas beaucoup quel truc ça a apporté en fait. Quoique non, en fait, on va pas aller à la maison, on va... Catacombe de Cartus. Ah non, c'est bien un truc à... C'est bien parti des catacombes, hein.
Grand Maître Sullivan, voilà. On va quand même revenir ici. Parce que je pense qu'on pouvait continuer sur un chemin en fait. Et histoire d'observer un peu un nouveau paysage, bah voilà, on s'accorde les 5 dernières minutes à faire ça. Hein, on t'a mis feu près de quelqu'un, il entraîne la perte de toutes les âmes. Ceux qui la portent reviennent à la vie. C'est de la triche! Mobilier! Du coup, bon, on continue parce que on a vu qu'il n'y avait pas de mur sur les côtés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de monstre déjà? Ils ont pas fait de coups de puterie? Non, ils ont pas fait de coups de puterie. Oh. Attends, est-ce que c'est un piège ça? Est-ce que c'est un piège? Ça a pas l'air. On revient ici. On a eu les deux. Deux titanites scintillantes pour le prix d'une. Eh oui, mes amis, ceci est une offre incroyable. C'était quoi toi? Oh, ok, t'es juste un brin d'herbe. Grand fragment de titanite. Eh bien putain. Ça a quand même de la gueule, hein. Bon. Eh ben on va continuer à monter en haut parce que déjà monter en bas apparemment c'est pas pratique, c'est limite pas possible d'après ce qu'on m'a dit. Et puis il n'y a pas grand chose à faire non plus. Je me demande où est-ce qu'on va aller. Ah c'est pas ça ce château de Lautric? Bah non de toute façon le château de Lautric serait théoriquement à côté des remparts de Lautric. Ah alors j'espère qu'ils sont morts. Qu'ils sont tous morts de décès. Bon toi apparemment c'est difficile de te choper. Parce que s'ils sont pas morts de décès... ça va pas être très halal, c'est moi qui vous le dis. Non, il y a un truc qui est encore vivant. Ah, ils font peut-être dodo. Fragment de guerrier épuisé. Oh oh. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je t'aurai un jour! Reviens, gamin! Ah! Coucou! Ah! Ah putain, mais. Je t'imaginais plus loin! J'ai pas trop le. Ah, chevalière des ténèbres! J'imaginais un truc plus classe ici, mais ouais. Ouais. Ah, y'a un autre chemin par ici. Comment combler les dernières minutes d'une session. Ah! Peut-être que je pourrais me faire le... Non mais c'est bon, théoriquement tu m'as plus vu. Il me rappelle un peu les mecs qu'il y avait dans le... Putain! Dans le combat contre le diacre des abysses. Ou des profondeurs. Enfin, un truc qui est vachement dark et tout. Putain! Ouh. Vous pouvez venir m'affronter ici aussi hein, si vous voulez. Oh bah y'en a qui est m'obéit. What the... Wallolo. Aïe. Putain. Wololo, comme disait l'autre. Je sais pas si tu vois, du coup, il y a beaucoup trop de méchants. Ouais, je suis un sapin. Ok, ça marche pas. Du coup, je vais revenir en arrière juste pour ramasser les objets qui est au milieu du champ de géant. Putain, mais. J'ai oublié que c'est une portée de folie. Ah, apparemment. Oh, sinon, je vais essayer de faire un petit coup. Esquive. Oh, esquive. Esquive! Ouais, ou alors sinon. Hein? Ah non, c'est pas là que je suis venu, ok. Ok, du coup, ça. Ah, y'a un fragment à choper là-bas. Du coup, ça laisse le moyen de revenir en haut.
Alors toi, t'étais... Ah, j'aime simple. T'étais le truc le plus long, le plus lent du monde. Genre à la détente et tout, il faisait... Oh non, il y a un méchant. Je finis d'explorer la cathédrale. On va faire un petit coucou au géant. Et ensuite, je vous dis... Enfin, je vais vous dire au revoir, voilà. Là, on a une belle vue, d'accord. Rien d'intéressant aussi ici. Alors toi, est-ce que t'es une mimique? Ah, suspense. T'es une mimique. What? Il me donne des coups de pied. Oh putain. Esquive, esquive. Tu l'aimes, esquive? Qu'est-ce qu'il fait? Non, non. J'ai dit non. Non, tout. 1, 1, 2. Et lance rituel doré. Ouh. Je suppose que c'est un truc spécial pour paladin. Ah bah oui, il faut plein de fois. Ah oui, c'est carrément un truc pour sorcier aussi. Ouais, c'est pour la magie. El Magiciano de Tenebro. Ok, du coup, ça sert complètement à rien d'être venu ici. Du coup, comme j'ai dit, on va descendre. Voir nos amis les géants. Et puis, bah voilà, toute nouvelle zone, je pense. Parce que on a tué le grand maître Sullivan. Donc, on a terminé la zone donjon d'Itril théoriquement. Et avant tout ça, avant de nous quitter là-dessus, on va essayer de faire un truc. Attendez, on a fait tout le tour. J'aime pas trop ça, là c'est beaucoup trop calme. Bon, à part les mecs qui mangent des boules de feu, mais bon, ça c'est. Qui. Vous êtes. C'était qui ce mec? Vous savez quoi? Et ben on va se casser, voilà. Donc sur ce, j'espère que tout ceci vous a plu. Moi, bah évidemment, ça m'a plu, hein, parce que sinon je continuerai pas à jouer à ce jeu. Ça me plaisait pas. On va essayer de se le faire quand même. C'est toi qui a réveillé les géants? Ouh, le manque de respect que je te donne. Oula, t'as l'air vénère. Aïe, ah, tu fais mal aussi. 1, 2, 3, et tu mords. Aïe. Ouais, j'espère que... Putain, il y en a un autre. C'est un piège! Tes armes ne sont plus vendues des ténèbres. Bon, ça t'empêche pas d'être carrément badass. Oh putain! Tu manies la lance contre ta mère, manie! Oh! Non! Mais je l'ai tué! Regardez, il meurt! Putain, je pensais pas qu'il allait faire autant mal! Ah, je suis deg! Ah, j'ai même pas pu voir s'il est tué, ça laissait endormir les gens ou pas. Bon voilà, c'est sur ce fabuleux fail que je vous dis à la prochaine, donc un pouce vert malgré ce fail que vous avez pu voir à la fin. Un petit pouce vert si cela vous dit. Parce que franchement, c'était quand même pas si mal, hein. Il y avait quand même de l'action. On a quand même tué des boss dans le premier épisode de la session. Et on a quand même terminé une nouvelle zone, enfin une zone optionnelle, je dirais même. Parce qu'au final, ça servait à rien. À part à choper des âmes, que j'ai vite perdu face à l'équipe de bras cassés qui était là. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'était super de jouer en votre compagnie. Et ouais. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire carrément. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, sur ce, à plus. Hein? Tout ça, voilà. Allez, zou, salut!